Bonjour, c'est Carole Crépia. Nous sommes jeudi 16 avril. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de dos, abdos, fessiers, lombaires. Donc, on va bien solliciter le dos, les abdos, les fessiers et les lombaires tout en douceur. On maîtrise bien, on aura bien le mouvement. Pardon, je ne suis pas réveillée, je crois, ce matin. Bon, allez, on y va. Petit échauffement pour commencer tranquillement. Allez, on pointe. Tout en douceur, hein, ce matin, on va être dans le contrôle. À extension côté. Allez, tu montes. Sur deux. Un, deux. On y va sur 4. Pour ceux et celles qui regardent encore mes vidéos sur Facebook, je vous invite à aller sur YouTube parce que Facebook en fait coupe le son par moment parce qu'il estime que j'utilise une musique inappropriée alors que ces musiques-là, je les achète. Donc par contre sur YouTube, ça passe sans aucun souci, hein, donc n'hésitez pas. Allez, derrière. Hep. Donc, la chaîne YouTube, c'est à Carole Crépia. Vous aurez toutes les vidéos qui vont défiler. Si vous tapez Carole Crépia, c'est ma chaîne. Vous avez toutes les vidéos, vous pouvez tout voir sans aucun souci. On double. 1. Allez, encore. Sur 4. Contractez bien le grand fessier derrière, la jambe étendue. Talon fesse. Genou en ouverture, tu montes. Double talon et double. Double genou. Quatre talons, quatre. Et quatre. Encore. Quatre genoux et quatre. Genoux devant, tu montes. Rotation du buste, tu tournes. Sur deux. On pointe et pointe. Bras alternés devant. Je l'ai dit, hein, en douceur ce matin. En haut. Devant. En haut. Devant. En haut. Devant. En haut. Relâchez les bras. Inspirez. Allez, poussez dos rond ici, on rentre le ventre, déroulez, hop, vous étirez l'autre côté, et vous relâchez. Donc vous allez passer à plat ventre,
mettre un peu plus de musique. Plus sympa. Alors, on va commencer par les lombaires. Positionner à plat ventre sur le tapis. On le voit bien là, oui, ça va. Ok. Mettez les mains ici sur les épaules, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les pieds sont au sol, on ne les bouge pas, ils restent au sol. Et doucement, je vais relever le buste en soufflant et descendre en inspirant. Je décolle et je descends. Souffle en montant, inspire en descendant. Vous allez doucement, sans à-coups, vous contrôlez le mouvement. À la fois. On reste en haut, on bloque. Allez, bloquez bien haut. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et doucement, vous relâchez le buste. Positionnez les mains ici, positionnez le front sur les mains. On va décoller cette fois-ci, hop, les cuisses, donc vous allez contracter les fessiers, toujours en douceur, sans à-coups. Donc je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Inspire, descends. En même temps, vous essayez de contracter le ventre, de rentrer le ventre ici quand vous montez. N'enfoncez pas le ventre pour relâcher dans le sol. Maintenez une bonne contraction ici pour stabiliser le bassin. Allez, encore un peu. On va rester en haut, on bloque. Entrez le ventre, tendez bien les jambes. Alors, on est bien tendu, on bloque, on bloque, on bloque. Et doucement, vous relâchez. Alors, on va étirer un petit peu, là, ça commence à tirer là dans les lombaires. Donc, venez vous asseoir ici sur les talons. Tendez les bras, vous relâchez le buste. Vous mettez les bras ici également. On se remet en position. Cette fois-ci, on va décoller le buste et le bassin en même temps. Enfin, les cuisses, pardon. Donc, je remets en position, mettez les mains sur les épaules, la tête dans le prolongement. Je souffle ici, hop, je décolle, rentre le ventre. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Et toujours dans le contrôle. On reste ici, on bloque, on ne bouge plus. Allez, le but c'est décoller, les cuisses là sont bien bien décollées, les fesses sont super contractées.
Résistez, résistez. Je vais chauffer là dans vos lombaires. Et vous pouvez relâcher. On relâche un petit peu. On va enchaîner avec un exercice du dos. Donc on va positionner les bras ici en croix sur les côtés. Je vais hop, rentrer le ventre. Je décolle le buste. Et là, vous allez faire des petits ronds. Allez, enroulez bien. Allez, encore. Vous pouvez changer de sens. C'est de maintenir les abdos contractés. Allez, on tourne encore un peu. Ça chauffe hein, très, très rapidement. Restez bloqué ici. Et vous pouvez relâcher le buste, la tête et les bras. Alors, je vais reculer. On n'a pas besoin de voir les jambes sur cet exercice. Par contre, on va falloir voir les bras. Très bien. Donc, mettez les bras à largeur des épaules. N'étirez pas là-bas vos bras. Gardez les omoplates abaissées. La tête est dans le prolongement. Je vais rentrer le ventre. Je décolle le buste. Je décolle les bras. Et là, hop, petit battement au niveau des bras. Celui-là n'est pas évident du tout, hein. Donc allez-y doucement, contrôlez. Vous pouvez avoir les paumes de main comme ceci à votre convenance. Et abaissez vos omoplates. Allez, encore. Maintenez les abdos contractés. Allez, on résiste encore un petit peu. Restez les deux bras en haut bloqués. Et vous pouvez relâcher. Vous avez vu, hein, ça chauffe très 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 vite dans le dos, dans les épaules, là dans vos lombaires également, hein, vous allez juste décoller. Alors là on va enchaîner, on va décoller à nouveau les cuisses, le buste, les bras. Donc ça va donner ceci. Mettez les bras ici en angle droit, la tête dans le prolongement. Rentrez le ventre dans le souffle. Montez ici et là, je tends, hop. Et je ramène les coudes contre le buste. La tête bien en prolongeant la colonne vertébrale. Allez. Paume de main vers le sol. Continue. Étirez.
On va enchaîner avec les fessiers. Vous allez passer à quatre pattes. Et en appui sur les avant-bras. Avancez un petit peu. Allez, les jambes largeur bassin. Genoux fléchis. On y va. Ici, on monte. Le pied flex. Hop, je monte. Gardez les abdos serrés. Allez. Contractez bien le grand fessier. On monte bien la jambe. Allez, on tient. Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Allez, encore. Reste une minute hein, sur ce mouvement. Et vous allez rester en haut ici, petit. Et là, vous poussez le plafond et le talon. Bon, c'est trop facile, hein, vous pouvez mettre les lestes aux chevilles si vous en avez à la maison. Allez, on tire. Montez, 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 montez. Allez, encore. Encore 30 secondes. Contractez, contractez. Toujours de plus en plus haut. Gardez les abdos serrés. C'est la base. Travaillez en douceur, on travaille en profondeur. Vous devez bien, bien ressentir votre muscle. Vous devez sentir que ça chauffe. Et vous pouvez relâcher, vous asseyez sur les talons, vous étirez. Change de côté et c'est parti. On repart ici. Hop, grande amplitude. Le genou est fléchi. Je pousse ici le talon, je pousse le plafond. Entrez bien le ventre. Contrôlez la montée et la descente. Hein. On contrôle son mouvement parce que rien d'autre ne bouge dans le corps. Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Allez. Montez, montez, montez. Et on va rester en haut, petit ici, tout petit. Alors petit, hein, ça ne veut pas dire rapide, hein, ça veut dire petite amplitude. Je contrôle, là, je suis très très haut, je contrôle ma contraction, je ressens mon grand fessier. Soufflez, soufflez. Allez, encore. On s'approche. Et on essaie d'aller de plus en plus loin, de contracter de plus en plus fort. Allez, encore un peu. Plus que 10 secondes. On résiste, on résiste, on résiste. Et vous pouvez relâcher, relâcher. Vous pouvez boire hein, également. Allez, tirez à nouveau ici. On se remet en position. Cette fois-ci, vous allez tendre. Avancez un peu. Vous allez tendre la jambe. Et là, hop, je monte. Et je relâche. Montez la pointe de pied vers le sol. Et là, c'est pareil, je contrôle mon mouvement. Hein. Pas de là, 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 j'envoie la jambe, ça sert à rien.
Ici, je monte, je contrôle la descente, je contrôle la montée. Contrôlez tout, les abdos sont toujours bien, bien serrés. Allez. Sentir que ça chauffe là, que ça brûle. Et restez en haut, petite amplitude. Contractez fortement le grand fessier. Allez, petit mouvement. Je contracte, je relâche doucement. Et contracte, relâche doucement. Maintenez les abdos toujours contractés. Rien ne bouge dans votre corps. Hormis cette jambe. Allez, encore. Plus de 30 secondes. On résiste, on résiste, on résiste. Le fessier devient dur, dur, de plus en plus dur si tu détournes. Et vous pouvez relâcher, vous asseyez à nouveau sur les talons ici. Relâchez, vérifiez quelque chose. Ouais, non, c'est bon, tout va bien. Allez, vous relâchez ici. On se positionne, on change de jambe. On est bon, plan tendu ici. Allez, c'est parti, je monte, je descends. Toujours dans le contrôle. Ressentez vraiment ce qui se passe dans votre corps. Coulez votre esprit à l'intérieur. Ressentez les muscles sollicités. Mettez de l'intensité dans votre contraction. Allez, encore. Continue. Souffle en montant, inspire en descendant. Restez en haut, petit. Allez, tout petit en haut, je monte. Contrôle, contrôle, contrôle. Encore un peu. On résiste, on résiste. Petite amplitude et je ressens ce qui se passe dedans. Et plus ça brûle et plus je résiste. Et oui, ça passe mal. Allez, encore, courage. Et vous pouvez relâcher, tirer. Allez, on va passer sur le dos. On va faire un petit peu d'abdominaux. Hop, je vais descendre. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va commencer ici par la taille. Donc, vous mettez les largeurs bassin, vous décollez le buste. Hein, vous avez au préalable rentré le ventre, c'est la base. Et là, vous allez incliner gauche et droite. Regardez le plafond. Inspire, je souffle.
Allez. On reste tout petit sur un côté. Change de côté. On peut mettre une main derrière la tête pour vous soulager. Ici les cervicales. Encore. Et on alterne. Allez, 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Étirez, amenez les bras derrière la tête. Inspirez, étirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Inspirez, étirez. Je souffle et je relâche. Positionnez les pieds ici, vers le plafond, pour décoller un petit peu la tête. Mettez les mains ici, derrière la tête. Et hop, j'enroule doucement, je déroule. Enroulez et hop, déroulez. Pas d'à-coup et pas d'élan. Je contrôle, je suis toujours dans le contrôle. On contracte bien la partie basse hein, de vos abdominaux. Allez, encore un peu. Je crois que nous allons perdre la musique. Non, c'est pas. Allez, encore. Relâchez le bassin, gardez les pieds en haut. Et là, hop, relevez le buste. Je monte et je relâche. Je souffle, j'inspire. Gardez le périnée transverse toujours contracté. Donc en somme, avalez votre nombril. Maintenez-les bien avalés. Inspire, souffle, monte. Allez, encore. On va rester en haut, tout petit, tu montes. Allez. Et monte. Contracte, contracte. Restez ici bloqué, petit battement ici. Là, on est bien bloqué, on est bien, bien contracté. Allez, continue. Joignez à nouveau les pieds ici, en rotation du buste, enchaînez les obliques. Encore pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Amenez les genoux ici à la poitrine. Vous enlacez avec les mains étirées. Roulez sur les lombaires de gauche à droite, de droite à gauche. On revient au milieu, on positionne les bras en croix. Laissez tomber les genoux sur un côté et positionnez la tête de l'autre. Thank you.
revient au milieu, on bascule de l'autre côté. Revenez au milieu, vous positionnez un pied sur un genou, vous attrapez ici le genou et vous étirez. Étirez bien bien le genou vers la poitrine sans décoller les fesses. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Changez de côté. Allez, restez bien en position. Relâchez, vous allez basculer sur le côté, les genoux, le buste. Passez ici en appui sur les mains, en appui sur les genoux. Vous inspirez dos rond et vous soufflez dos plat. J'inspire dos rond et je souffle dos plat. Encore une fois, inspire et souffle. Passez ici en appui sur les pieds. Hop, je reviens de face. Relâchez la tête devant, montez les fesses au plafond. Hop, vous allez garder le buste relâché sur jambes tendues. Basculez le poids du corps légèrement vers l'avant tout en gardant les talons dans le sol. Pliez les genoux, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre en rentrant le ventre. Déroulez la tête. Et vous inspirez. Et vous soufflez. Bravo! J'espère que cette séance vous a plu, que vous allez la faire, la refaire, la refaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Mouah!